Quel étourdi Marie a recopié l'exercice de mathématiques à faire pour demain. Voilà, ici, c'est Marty dessiné par Senon. En voici l'énoncé. A, B, C, D, quadrilatère tel que A, B, 3 cm, B, C, 5 cm, A, C, c'est diagonale. Pour l'instant, c'est un croquis. Désolé, Marie, que je trace ça au-dessus de toi. Maintenant, qu'un dessin. AC, 7 cm. 7. CD, 3. Et BD. C'est un peu louche, BD. C'est un peu cool, hein? BD, 1. Après plusieurs essais sans succès, Marie réalise qu'une des longueurs est fausse. Ah d'accord. Laquelle modifie là pour qu'il soit possible de placer les quatre points. Alors, il commence d'abord par le premier triangle, ce que je ferai en premier. ABC, 3, 7, 5, parce qu'on commence par le triangle, bien sûr. 3, 7, 5. 3, 7, 5. Là, c'est facile. 3, 7, 5. Chaque côté est inférieur à la somme des deux autres. Qu'on pouvait vérifier. Je fais bien sûr l'esquisse pour avoir le triangle ABC. ABC avec les côtés 3, 5 et 7. Ça, ça marche. Bien sûr, si on fait exactement. Par contre, là, vous voyez, 3, 1 et 5, 3, 1 et 5, il y a un problème, parce que chaque côté doit être inférieur à la somme des deux autres. 3 est inférieur à 1 plus 5, là ça va. 5 est inférieur à 3 plus 1, ah non, ça, ça va pas. Hein. Voilà, donc c'est ce 1 qui nous dérange. Ce 1, il fallait l'augmenter. Combien vous remplacez afin que cette inégalité soit vraie? 5 inférieur à 3 plus minimum, c'est combien? Ben, minimum, c'est 2. Oui, mais alors le triangle est aplati. Donc il faut que BD soit plus grand que 2. Voilà. Donc la mesure BD ne doit pas être égale à 1. BD doit dépasser 2. Oui, dépasser 2, mais jusqu'à où? Jusqu'à où? Ah ben, je signale que BD, comme chaque côté, doit être inférieur à la somme des deux autres. C'est-à-dire 3 plus 5, 8. Conclusion, BD peut prendre n'importe quelle valeur, plus petite que 2 et plus petite que 8. Et comme ça, on va construire le triangle, je le fais en croquis, Regardez, DBC. DC, 3 cm, et DB, cette valeur comprise entre 2 et 8. Et comme ça, Marie pourra construire exactement ce quadrilatère. Elle ne va plus être à l'étroit entre ses côtés.